un chat, pardon. Quand un chat ne voit rien, il dit que la souris m'a mordu à l'oreille. Donc on arrête chaque fois de dire que si il y a autant de misère, c'est la faute à l'Occident. C'est vrai que l'Occident n'a pas, de responsabilité. Mais nous sommes des États souverains. Et la souveraineté, ça se mérite. Ça se protège, ça se défend. Ce n'est pas en pleurnichant et en mendiant la charité. Il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités pour faire face à des cas d'urgence comme ce que les jeunes Africains vivent en se noyant par milliers dans la Méditerranée. Bravo, bravo. La musique, quand elle est bonne, elle est bonne. Et j'aime beaucoup Davido, j'aime beaucoup Biscuit, entre autres. Et puis j'aime beaucoup ce genre musical. C'est quelque chose de révolutionnaire. Okay? Moi, je pense que cette musique peut aller très loin. Même si aujourd'hui, les maisons de disques n'ont pas la puissance de feu qu'elles avaient il y a longtemps. Mais je pense que cette musique, déjà, doit essayer de faire sa propre place. Ok? C'est une musique, si vous voulez, émergente. Cette fille-là qui a démarré avec l'Afrobeat et la nouvelle génération, que ce soit Femi ou son frère, et puis les autres jeunes, ont donné une autre dimension de l'Afrobeat. Ce n'est pas l'Afrobeat comme Fela faisait. Et non, c'est Afrobeat plus. Ils ont apporté une nouvelle vibe là-dedans. Et non, ce n'est pas le Chakara Olo Olodi. Et non, ce n'est pas le Yugose, Yugose Abiledi. C'est pas ça. Et non, ils sont partis autrement. Si tu connais Biscuit, si tu connais Davido, ils ont créé quelque chose de nouveau. Et je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. Comment vous êtes-vous rencontré sur ce projet avec les Zeppelins pour cette chanson? C'est avec ma famille, la famille que Dieu m'a donnée, mes musiciens. Quand on est dans le tourbus, on écoute toute la musique. Et puis on écoutait les vieilles chansons. Et puis je crois que c'est Hugues, le guitariste qui a passé All Out of Love de Led Zeppelin. Et puis j'ai dit, merde, mais ça, il faut qu'on fasse une reprise. Ok? Parce que cette chanson appartient à notre mémoire. Donc j'ai voulu qu'on la refasse. Et puis on est en train de travailler sur We Will Rock You. Ok? De Queen. Ok? Il y a Jules, mon guitariste, qui a fait une programmation comme on aime le dire, tu vas quitter ta race. Nous, on aime bien cet exercice. You know. J'ai dit souvent, les gars, écoutez les gars, bon, on sort un peu de cocotier et puis on va dans le Rocky Mountain. Okay. Et puis voilà, on aime bien. On aime bien quand tu as en face de toi un public multicolore, arc-en-ciel, tu as envie de toucher chaque fibre de chacun de ces fans qui sont venus. Donc c'est bien qu'on fasse ce voyage musical, et on a les cœurs. Et puis voilà, on a d'autres chansons, mais pour le moment, on travaille sur ça. À chaque album, on essaie d'envoyer une petite dose. Ok, voilà, il y a ça et puis il y a d'autres peut-être. Mais pour le moment, vraiment, on travaille minutieusement sur le prochain album, en espérant que chacun de vous aura sa dose. Et donc, mais attention, dose adulte. Sans modération. Merci.
merci à vous. Merci. Merci. Alors, est-ce que vous êtes ready? Alors là, nous allons kiffer nos races. Merci, merci.
That's right. Thank you.